fais un room tour. Donc quand vous rentrez, ici vous avez la porte. Là, la salle de bain. Voilà, avec un miroir et que lumière. Voilà. Ici, une douche baignoire. Voilà. Là derrière, vous avez des toilettes. Ici, vous avez des placards de rangement. Ici, un miroir. Ici, un miroir. Là, machine à thé, café, dans le tiroir. Vous avez tout ce qu'il faut. On nous aura ajouté des bouteilles d'eau parce qu'on a fait ranger la chambre. Ici, vous avez deux grands lits simples avec les lumières. Voilà. Voilà, voilà, une télé, le bureau. Du boss. Le boss, c'est moi. La vue, bah, il n'y a pas de vue. C'est vis-à-vis parce qu'on est qu'au troisième étage. Voilà. Voilà, voilà. Voici notre home tour. Franchement, en vrai, c'est beaucoup plus grand. Ça fait 32 mètres carrés. En vrai, c'est plus grand qu'à la caméra, j'ai l'impression. Du coup, voilà, voilà. C'était le room tour de Awa et... Et... PDG. CEO. Première partie des vlogs à Dubaï en compagnie de Océane. Coucou. Voilà. Je vous jure qu'on est en train de se tuer la rétine. Normalement, vous avez vu un extrait vidéo de notre chambre d'hôtel. En fait, ça sera tourné demain selon nous. Mais j'ai fait genre, ça, c'est sur le moment. Parce qu'en fait, on a tout dérangé. On arrive à 7h du matin à Dubaï. Donc, ça fait 48 heures qu'on n'a pas dormi avec Océane parce qu'on est décalé de ouf. Donc j'avais la flemme ce matin de filmer et en plus on a eu accès à la chambre d'hôtel qu'à midi. Donc ça fait qu'on était KO, on a dû chill dans la chambre, on a déballé nos affaires et après bah, qu'on ait déballé nos affaires, bah, c'était le bordel. Donc c'était pas trop montrable. Normalement là vous avez déjà vu l'extrait de la chambre. On est sorti, on doit aller dîner dans un rooftop lounge. Du coup là on va commander le taxi, je vous ramène avec nous. On va faire un petit tour avant parce qu'on a réservé pour 19h. Et on avait envie de sortir avant que le soleil se couche, parce que le soleil se couche à 17h ici. Et il est 16h, du coup on a genre 1h30 pour profiter un peu du soleil, de prendre des photos, etc. Je vous jure, Dubaï c'est trop beau. De toute façon, vous mettrez des petits passages, des paysages, etc. Et je ferai une vidéo complète séparément avec tous les bons plans, toutes les adresses. Là je vous donnerai les noms mais je rentrerai pas dans les détails. Par rapport au prix et tout, je vous ferai une vidéo spéciale. On va remettre nos masques, commenter le taxi parce que les gens ils nous regardent en chelou là. Ouais parce qu'on enlève notre masque juste pour la vidéo. Du coup voilà, on se dit à tout à l'heure, bisous. Donc là, on s'est posé sur un petit banc avec Océane. On admire la marina. Je vous montrerai un point de vue de notre vue. Il y a le bateau qu'on est censé prendre la semaine prochaine, je crois, pour faire un petit tour de Dubaï. Juste en face de nous, par hasard, on s'est assises, on l'a vu, on a dit waouh, c'est exactement là qu'on va le prendre. C'est trop bien, au moins maintenant on saura où on devra aller ce jour-là. Pour tout à l'heure, si on bouffe du banc, parce qu'on n'a pas envie, on est trop bien. Je peux y rester des heures. La température, elle est parfaite. En fait, regarde l'armée de moucherons. Je sais pas si vous la voyez au-dessus de nos têtes. Il y a là les moucherons. Et vous savez que l'eau là, elle est artificielle. Genre, ils l'ont créée. La marina, c'est pas une eau qui était là. C'est la minute histoire. Oui, voilà. C'est pas une eau qui était là de base. En fait, c'est impressionnant. Genre, ils ont tout créé de A à Z. Genre, tout ce qu'il y a à Dubaï, ça a été créé par l'homme.
avec Océane, on est resté assis sur ce banc pendant 2 heures à admirer le coucher de soleil. Du coup, regardez, maintenant il fait nuit. C'est trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir. En vrai, c'est encore plus beau. Mais là, faut qu'on réagisse parce que c'est trop trop beau. C'est trop, trop non, mais je vous jure, avec Océane, ils sont trop bien. On est trop bien. En plus, j'ai découvert par hasard. Genre, j'ai regardé tous les rooftops qu'il y avait à Dubaï et tout. Et genre, vois Océane, je lui dis, regarde la vue. Mais je vous jure que la vue, elle a rien à voir avec la photo. Parce que c'est encore plus beau en vrai. Dommage que les images ne fassent pas honneur au lieu. Parce que vraiment, c'est un plaisir pour les yeux. Ouais, vraiment, c'est trop trop beau. En plus, c'est pas cher. Non mais je vais vous montrer ce qu'on a pris. Ouais, vous verrez. Trop 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 beau. Ce qu'on a commandé, on a pris chicken caesar salad toutes les deux. Et on a pris des tapas, on a pris des calamars frits, voilà. Et des cocktails, mock cocktails, ils appellent ça comme ça, les cocktails virgin. Moi je sais plus il y a quoi dedans, mais elle c'est un iced tea maison avec du citron. Moi il y a plein de trucs dedans, il y a de la lavande, ouais, lavande, de la menthe, l'ananas, du citron. L'eau gazeuse, ouais, et voilà, je crois que c'est tout, ouais. Et ça a l'air trop bon, et avec une vue vraiment genre incroyable. Ici, mon dessert, c'est une boule de glace caramel avec du crème, c'est comme du crème beurre ça, un petit crème beurre. Voilà, trop hâte de goûter, je vous en dirai des nouvelles. On retourne à l'hôtel, c'était trop bon, enfin trop serve, oh là là là, c'était et le tellement service, bon, et ah, le mais service incroyable, aussi, hein. Eh, je vous jure. De toute façon, on vous racontera mieux en détail, mais c'était trop bien. Là, on attend le taxi, on va retourner à l'hôtel parce qu'on est fatigué, ça fait 48 heures qu'on n'a pas dormi. Demain, on a une longue journée, on va aller dans un mall. Après, on va aller à la plage. Après, le soir, resto. Ouais. T'es prête pour la longue journée de demain? Non. Pas du tout, on est archi pas prête. Alors, c'était juste pour vous montrer l'hôtel, comment il est. Il est trop beau, vu de l'extérieur. On va rentrer par là. Donc le nom de l'hôtel, c'est ça. Alors, 4 étoiles. Je sais même pas si on va l'entendre. Non, et là, on va aller prendre notre température. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort, ils prennent notre température. Et voilà. Voilà l'ascenseur. Il est trop beau. Parce qu'il y a aussi beau. On est trop KO. Ah ouais, moi je suis KO. Attends, je recommence, c'est trop gênant. Bah ouais, c'est trop gênant. Coucou. Non mais, comment je peux faire pour que t'aies autant de soleil que moi sans avoir ma tête sur toi? Ouais, c'est ça en fait. En fait, faut que je te mette un peu plus en avant. Ouais, comme ça, et que moi je fasse ça. En gros, faut qu'on soit loin quoi. C'est trop pas naturel, tu sais, genre. Nat, tu pourrais le traduire comment en français? Marina. Ça se traduit pas quoi, c'est Marina. Ouais, ok. Bon. Bah, ils ont créé une Marina.